Laissez-moi sortir! Tais-toi, reprends-toi. Hein? Oh, c'est réel! Oh non! Elle était aussi une maman! S'il vous plaît, laissez-moi sortir d'ici! Ma famille a besoin de moi! Je n'ai rien fait de mal! Tu ne peux même pas t'aider toi-même! Tu es drôle! Maman! Mon bébé! Tu es libre ce soir? On verra ça! Comment tu vas, mon bébé? Tu m'as tellement manqué! Maman, ne pleure pas! Je vais m'occuper de toi! Tu es à moi maintenant! Tiens ça, maman! Garde le secret! Qu'est-ce que c'est? C'est notre plan d'évasion et je vais être ta clé vers la liberté. Vraiment? On y va. Oui, au revoir, maman. Non, non, ne me l'enlevez pas. Revenez. Ton nouveau shampoing sent bon. Beurk, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il y a dans un sac de police en fait? Laisse-moi voir ce qu'il y a dedans. Des menottes et un uniforme? Tu me fais rougir, mais je dois y aller maintenant. C'est le moment. À plus tard. Salut, beauté. Oh, pourquoi ce sac est-il si lourd? Tu as besoin d'aide? Non, je gère. Salut. Tu veux que je fasse le flair? Je ne pense pas. T'es sûre? Moi, juste mes trucs de police habituels. C'était tout un exercice. Je suis dedans! Voilà, maman! Je dois m'approcher. Hein? Où est mon sac? Comment est-il arrivé là? Quoi? Ah! Ah! Viens ici, stupide sac! Je vais t'avoir! Aïe! Oh, oh non! C'est quoi son problème avec son sac? Ça a marché! Elle est assommée! Je peux prendre la clé maintenant! Youpi! C'est ma fille! Je suis là, maman! Vite! Avant qu'elle ne se réveille! Mon héroïne! Oh non! Officier! La prisonnière s'est échappée! Réveillez-vous! J'ai mal à la tête! Cours, ma chérie! Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Je sais! Combien de temps j'ai été inconsciente? Ah! Ce maudit sac de police! Ah, tu vas voir! Dans la cage du chien, maintenant! Tu ne pourras plus t'échapper! Oh non! Je m'en occupe, chef! Oh! Je vais peut-être avoir besoin d'un nouveau sac de police! Ça pue! C'est quoi cette sorcellerie au juste? Laissez-moi sortir! Alors c'était toi, hein? Retour en prison! Non! Voici un attrape-rêve! Hein? Qui est là? Montre-toi! Oh non! Les histoires de fantômes de ce commissariat sont-elles vraies? J'ai peur! Ok, lumière! La lumière ne s'allume pas! Oh mince! J'ai oublié de recharger cette lampe torche! J'ai la chair de poule! Ah! Un fantôme! Boum! Ah! C'était facile! Je dois maintenant sauver maman! Maman, réveille-toi! Hein? Quoi? Éloigne-toi de moi, fantôme! Mais maman! Aïe! Ça fait mal! Maman, c'est moi! Mon bébé, c'est toi! Tu es revenu! Youpi! Il est temps de partir, maman! Oups! Où pensez-vous aller? Attrape-moi si tu peux! Hé! Attends! Alors, nous avons un autre criminel en cavale! Hé, officier! Quoi? C'est quoi, ça? Je pense que je suis celle que vous cherchez. Attends une seconde. Voyons voir. Moustache, lunettes bizarres, cheveux en bataille.
La ressemblance est frappante. Je t'ai eu. Voici ta nouvelle colocataire, maman ratée. Elle fait tellement peur. Je suis l'une des plus recherchées de la ville. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Pourquoi je te ferais du mal, maman? C'est moi. Oh, ma chérie, petite maligne. Rater l'école d'art, ça va. Je peux dessiner ici. Oups, la nature m'appelle. Je dois y aller. On y va. Alors, nous sommes ici. On doit juste trouver notre sortie à travers les tuyaux derrière le mur. Ça a l'air facile, non? Je te l'ai dit, maman. C'est faisable. Je vais utiliser un cure-dent pour démolir ce mur. Ça ne prendra pas longtemps, non? Maman, ça va nous prendre une éternité. On doit plutôt utiliser cette cuillère. Exact. Bonne idée. Commençons à gratter. Regarde, c'est une bouche d'aération. On a trouvé notre sortie. Youpi! Allons-y. Quel soulagement! Levez les mains! Quoi? Quelle perdante! Dépêche-toi, maman! Quoi? C'est le visage de mon père sur un squelette! Et elle danse avec lui! Pourquoi tu ris? Mi amor! Oups! Oh non! Aïe! Les prisonnières! Arrête-les vite! Bon, ça suffit! Retour en prison, vous deux! Non! Je sais que je peux atteindre ce trousseau de clés! Arrête tout de suite! Non! S'il vous plaît, officier! Ce jeu en VR est trop cool! Phew! J'ai cru qu'elle m'avait vu essayer de prendre les clés! Mais non! Elle joue juste à un jeu pendant son service! Oh non! Elle a pris les clés! Oh! Ça va être plus difficile de les récupérer maintenant! Qu'est-ce que tu cherches, maman? Regarde ce que j'ai trouvé sous le lit! Des trucs de fête au hasard! Voici un chapeau de clown! On peut continuer ton anniversaire en prison! C'est trop tard pour ça! De toute façon, j'ai une idée! Un crochet fait maison! Je vais avoir besoin de 3 de ces cames en sucre d'orge et je vais les attacher ensemble avec cette guirlande LED. Ma petite génie, tu tiens ça de moi. Maintenant, vas-y, utilise-le. Vise les clés, d'accord? Oui! Tu les as eues! Youpi! Sauvons-nous d'ici! Youpi! On l'a fait, maman! Ça ne marche plus. Pas étonnant que ça ait été bon marché. Tellement inutile. Hein? Qui êtes-vous? C'est ton anniversaire! On va bien s'amuser! Oh mon Dieu, j'ai vraiment besoin d'un anniversaire aujourd'hui. Faites-moi une de ces ballons en forme de caniche, comme les clowns. Ça arrive tout de suite. Oh non, je ne sais pas comment faire ça. Presque fini! Ce tour ne marche que si tu fermes les yeux. Pas de problème, je suis trop excitée. Garde-les fermés, d'accord? Vas-y, vas-y. Quoi? Un ballon en forme de caca? Vous êtes des menteuses! Qu'est-ce que tu veux dire? Qui êtes-vous? On est des clones d'anniversaire, quoi d'autre? Tu es sûre? Achou! Aïe! Ma dent est tombée! Ah, je le savais! Et nous revoilà! Oh, c'est tellement dégoûtant! Ces mouches et insectes reviennent sans arrêt! Et j'ai déjà utilisé plein de sprays insecticides! C'est pourquoi ça? Ne pas pulvériser sur les serrures? Bien sûr que je vais le faire! Voyons si ça marche! Regarde, maman! La serrure a fondu! C'est bon! On va enfin sortir, ma chérie! Allons-y! On l'a fait! Non, vous ne l'avez pas fait! Retournez là-dedans! Pas question! Aïe! Mon visage! Oh mon Dieu! Non! Non! Je vais vous punir! Arrête! Oh, salut, mon chéri! Ne fais jamais de mal à mon enfant! Non, non! Laisse-moi sortir, bébé! Vous m'avez tellement manqué, toutes les deux! Tu nous as manqué aussi, papa! Oh, ça gratte tellement! Oh.
Donne-moi ça. Hein? Coupons la jambe. J'ai ce qu'il me faut. Oh! Tu l'as cassé! Zerk! C'est ce qu'il faut faire. C'est tellement satisfaisant. Oh, ouais. Burk, c'est un sacré morceau. Oh, eh bien, c'est tout. Ma poupée préférée est fichue. Oh, chérie, chut. Et voyons si je peux faire quelque chose pour ça. D'abord, enlevons les vêtements de Barbie. Utilisons un stylo 3D pour dessiner un geôlier. Utilisons du ruban cache pour lier ses jambes et la rendre plus colorée. Nous pouvons également fabriquer des nageoires en 3D. Quelques nageoires supplémentaires ici et là. Les attacher aux jambes scotchées quand nous aurons terminé. Quelques touches de finition et de paillettes. C'est fait! Tu as maintenant une Barbie sirène. Comme un jouet tout neuf. Waouh! Merci, maman! 1, 2, 3 morceaux. Ah, enfin! Oh non! La chasse d'eau est cassée! Est-ce que la chasse d'eau fonctionnera un jour? C'est impossible! Ça déborde! Oups! Alerte! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je crois qu'elle est cassée. Sale petite créature! Tu l'as cassée! Tu le répares! C'est vrai, darling. Tu peux le faire. Hein? Elle ne peut pas les traiter comme ça. On va lui donner une leçon. Le spray a envoyé belle-mère au pays des rêves. Maman est là maintenant, ma chérie. Personne ne peut faire ça, ma fille. Eh bien, utilisons sa perruque à bon escient. J'espère que ça va déboucher les toilettes. Ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Waouh! La chasse d'eau est tirée! Tu as réussi, maman! Ce n'est pas encore fait. Nous rendons toujours ce qui n'est pas à nous. Oups, c'est parti! Hein? Les abeilles poursuivent belle-mère. Petite créature agaçante! Oh, oh. Ah! Éloignez-vous de moi, les abeilles! Hilarant! Oh! J'ai du miel sur mes gants! Oh, c'est sucré! À plus tard, chérie! Ah! Maman est là pour te sauver! La fumée va se débarrasser des abeilles! Ne t'inquiète pas! Je crois qu'elles sont parties! Mon pauvre bébé! Regarde! Ton visage est plein de piqûres d'abeilles. Ça n'a pas l'air bon. Il s'agit vraiment d'une urgence médicale. Voici la trousse de premier secours de maman. Jetons un coup d'œil. C'est un dispositif d'aspiration. Il va aspirer les piqûres d'abeilles en toute sécurité. Quelque chose sur ma langue. Voilà. Ça va mieux? Oui, maman! Oh, ma chérie! La 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 la! Porte ses flippy-flops! Oh, comme c'est touffu! Heureusement, j'ai une bande d'épilation à portée de main! Je n'ai qu'à la coller comme ça et... Tada! Regarde ça! Plus d'aisselle! Oh, cette salle de bain est terriblement sale! Il y a de la crasse et du désordre partout! Tiens, mon enfant, nettoie cette salle de bain pour moi, veux-tu? Matériel fourni! Allez hop, nettoie ça! À plus tard, chérie! Mais pourquoi moi? Ma maman ne me ferait pas ça! Ma maman me manque! Ma chérie, maman est là! C'est celle de papa! Belle-mère veut que je nettoie cette salle de bain. Eh bien... Commençons à nettoyer. Utilisons une éponge pour nettoyer ce qui a été renversé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde cette touffe de cheveux. Elle bouche le tuyau d'évacuation. Il y a aussi de la bave sur la baignoire. Ouf.
Et nous allons continuer à frotter jusqu'à ce qu'elle soit étincelante de propreté. Avec l'aide de maman, la salle de bain a retrouvé sa splendeur d'antan. C'est terminé. On a réussi, maman. Attends, je vais faire quelque chose. C'est le dentifrice de belle-mère, n'est-ce pas? Et si je mettais de la colle dedans? Allons-y. Oh, très propre, en effet. C'est vraiment très joli. C'est l'heure de me brosser les dents. Merveilleux. Est-ce que c'est ma dent? Voici ton préféré, fabriqué avec amour. Tes biscuits aux pépites de chocolat, je les adore. Merci, maman. Et maintenant, ce n'est plus qu'un souvenir. C'est tout ce qui reste de l'amour de ma maman dans cette maison. Un biscuit pour moi? Mais c'est le mien! Oh, ma pauvre! Eh bien, prends la spécialité de belle-maman. Des nouilles avec des verres? Burk! Ma maman me donne toujours ce qu'il y a de mieux. Elle me manque. Oh, ma petite chérie. Je sais. Je vais enfiler ce biscuit avec une aiguille et du fil. Collier de biscuit. Hey, ma chérie. J'entre. Tiens, mets ça. Tu peux manger des biscuits quand tu veux. Délicieux. Tu es la meilleure, maman. Oh, je t'aime, bébé. Je dois y aller maintenant. Au revoir, maman. J'adore ça. Je vais partager ça sur Instagram. Oh non, mon lait. Mon précieux ordinateur portable. Ah, petite créature négligente. Regarde ce que tu as fait. Je suis désolée. Reste dans la cave. Tu ne peux rien gâcher ici. Allez, zou! Mais c'est tellement effrayant ici! Des cafards! Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici? Hein? Un serpent? Qu'est-ce qui se passe ici? À l'aide! C'est juste moi, bébé. Maman! C'est toi! Oh! Bon, voilà ce que nous allons faire. Hé, hey, salut, toi! Fais attention au serpent, d'accord? Maintenant, nettoyons. Mettons en place des choses roses amusantes que tu aimes. Quelques lumières ici. N'est-ce pas amusant? Oh mon Dieu! Elle arrive! Je dois me cacher maintenant. Dépêche-toi, maman! Bye bye! C'est quoi ce bruit que j'entends? Toi! Chérie! On a fait une belle transformation de la chambre, chérie! Oh! De l'or et des cadeaux! Ne le dis à personne! Je vais voler d'autres choses! Oh! Hein? Qu'est-ce que fait belle-mère? Oh non! Elle est en train de voler! Il y a un voleur ici! Tais-toi! Tiens, c'est toi qui l'as fait! Aïe! Hein? Regarde qui j'ai surpris en train de voler! Ta propre fille! Pas moi, papa! Tu vois? Elle ment même! Il faut que tu fasses quelque chose, mon chéri! Hein? Ma chérie, tu sais que c'est grave! Tu me laisses pas d'autre choix! Je dois appeler la police! Allô? Il y a eu un cambriolage chez moi! Je n'ai rien fait! Tu es une enfant très méchante! Oh, officier de police! Mettez-la en garde à vue, s'il vous plaît! Je serai ravie! S'il vous plaît! Ne m'arrêtez pas! Tu es en état d'arrestation! Et tu as le droit de garder le silence! Hein? Vous vous trompez de personne, officier! En fait, je me suis trompée de personne. Maman? Tu vois, cette caméra secrète va te révéler la vérité. Tu étais surveillée. Et si nous regardions ensemble les preuves? Tout pointe vers toi. Non! Tu as volé dans le tiroir. Et quand notre fille t'a vue, tu l'as accusée. Son papa m'a appelée par hasard. Oups! Je vais rappeler la police. Je signale un vol. Chérie! Non!
Monsieur. Et merci, madame, d'être notre espionne pour retrouver nos personnes les plus recherchées. Tu viens avec moi, maintenant. Non, je ne viens pas. Laisse-moi partir, sale type. Au revoir. Tu nous donneras une autre chance. Je suis vraiment désolée. Nous pouvons recommencer à zéro. Je vous aime, les gars. Et ma famille est à nouveau entière. Regardez d'autres vidéos de Zoom Go avec moi, les gars. Miam. Wouf, wouf. Oh non. Oh, t'es mon chien de toute façon. Ça pose pas de problème. Non, non, ne mange pas ça. D'accord, je vais trouver quelque chose. Oh, je sais. J'ai déjà vu une vidéo de bricolage comme celle-ci quelque part. C'est ce qu'on appelle le protecteur de nourriture pour pauvres. Maintenant, ton chocolat est en sécurité. Essaye! Assure-toi de le faire tomber. Waouh, regarde, maman! Le chocolat est encore tout propre! Hein? Je suis le monstre du caca! Cool! Hein? Je vais le goûter! Non, ma chérie, arrête! Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Oh! Je sais! Pourquoi n'utilises-tu pas ce porte-sucette? Regarde! Il protège aussi ta sucette! Essaie-le! Merci, maman! Ce bonbon rouge à lèvres me donne une sensation bizarre au niveau du ventre. Ok. Personne ne regarde. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu fais caca sur mes orteils? Oh, au moins c'est de l'or. Le caca, c'est toujours du caca. Vous vendez tes toilettes ici? Si le prix est correct, bien sûr. Voilà. C'est parti. Waouh, des toilettes de plage portables. Tenez ça et ne regardez pas, d'accord? Allez, vas-y. Oh, ça pue. Oh. J'ai mal au ventre. Oh. Alors, va aux toilettes. Ah-ah. Quoi? Tu m'as fait caca dessus. Incroyable! Oh, 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 oh! Maman, à l'aide! Oh, chérie, je sais. Je vais utiliser ma force cachée. Heureusement que j'ai toujours un siège de toilette sur moi. D'accord. Ça ira. Maintenant, essaye. Eww! Mais qu'est-ce que je t'ai donné à manger? L'enca parfait pour la plage. Si exquis. Le docteur est là. Je vais te sauver. Hein? Maman! Appelle un docteur! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ok, j'ai compris. Voyons ce qu'on peut faire. Voici le protocole d'urgence pour les accidents liés à la richesse. Un pansement d'or pour soigner la blessure. Ça fait du bien. Merci, docteur. Le cerveau de la pastèque. On dirait que c'est une urgence. J'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a besoin d'aide. L'aide d'urgence est là. Nous n'avons pas d'argent. C'est pas grave. On propose aussi des traitements bon marché. Et voilà. Waouh, c'est trop cool.
C'est très bien. Merci, docteur. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Au revoir. Des cheveux chewing-gum. C'est une tendance virale, maman. Pourquoi? Oh. Coupons ça. Quoi? Non! Voilà. Puisque tu aimes jouer avec les cheveux, fabriquons un jouet pour toi. Utilise ces salières et poivrières avec des visages sympathiques. De la pâte à modeler et ce poussoir en plastique DIY. Tu pourras avoir ton propre salon de coiffure. Voici ton premier client. Coiffe-le. Je sais. Et voilà. Nos richesses cachées. Quelle famille effrayante. Que quelqu'un me sauve. Tu as besoin d'une coupe de cheveux. Mais chérie. Madame, je crois qu'elle s'ennuie. Il est temps d'être mère. Un jour, il y avait un poulet sans plumes. Il devait avaler de la pâte à modeler pour se faire pousser des plumes. Et voilà un poulet heureux. Est-ce que je peux le rendre à nouveau triste? Rase le poulet et ça aura un effet magique. Regarde par toi-même. Regarde, un œuf en or. Et merci pour ce dur labeur. Une perruque pour vous. Je commence à avoir faim. Je vais essayer le sable. Qu'est-ce que... Fais quelque chose, maman. Oh, je sais. Je peux te préparer un encas. Mélangeons des crackers et des paillettes d'or. On dirait du sable de plage élégant. Et ça sent bon. Essaye ça. Merci, maman. C'est le genre de sable que l'on peut manger. C'est bon? C'est délicieux. Oh. Waouh, ça a l'air bon. T'as perdu la tête, là? Oh. Pauvre enfant. Oh. Écoute. C'est vrai? Faisons fondre ce chocolat rose. Ça sent bon? Versons-le dans le moule. Ajoutons des paillettes arc-en-ciel. Et enfonçons un bâton de glace. Prends-en un. Waouh! Une sucette! Génial, maman! Il dort à poings fermés. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde par là! J'ai tellement peur! Une canette de soda vide? Je peux peut-être en faire quelque chose. On met un dessin de ton personnage préféré contre la canette. On fait des trous à travers la canette. Tada! Il nous faut maintenant des mini-lampes LED à l'intérieur. Regarde ça! Une lampe de nuit! Waouh, c'est cool! Elle éloigne les mauvais esprits! Waouh, c'est efficace! Ouais! Pauvre garçon, il joue encore avec son ami imaginaire. Oh non! Dégoûtant! Et tu marches droit dedans! Oh! Regarde comme notre tapis est en désordre maintenant! C'est ma faute! Au lieu de m'énerver, pourquoi je ne ferais pas quelque chose? As-tu la moindre idée de ce que je suis en train de faire? Moi non plus. Mais... Remplissons ces bottes de savon moussant et de paillettes. Comme ceci. Waouh, regarde comme c'est joli! C'est prêt! Viens par ici. Oh, mais pourquoi? Regarde ça! Waouh, savonneux! Essaie-les.
Tu vois, ça nettoie les pieds en un rien de temps. Maintenant, voici une serviette pour les sécher. C'est parfait. T'es la meilleure, maman. Quoi? Je suis vraiment désolée. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas envoyer de texto en marchant? Tu me déçois tellement. Je sais, maman, je suis désolée. Nettoie ça. D'accord. Même les bonnes mères peuvent parfois être trop strictes. Oh non, Emily, attention! Oups! Pourquoi as-tu... Je plaisante. Regarde, je peux faire ça aussi. Qui s'en soucie? Megan a une surprise d'anniversaire très spéciale. Chut! Joyeux anniversaire à toi! Wow! Merci, maman! Tout ce que tu veux! Hé, Gina! Je crois que quelque chose brûle! Oh, c'est pas vrai! Oh non! C'est foutu! Voilà, ma chérie! Mais c'est un morceau de charbon! Eh bien, comme on dit, c'est l'intention qui compte. Hey, chut, je me cache. C'est l'heure du film. Bonjour. Hein? Ah! C'est une farce! Oh, tu m'as fait peur! Pendant ce temps, Emily a décidé de faire une farce à sa maman. Chut! Hey, tu as des choses à grignoter? Hein? Ta maman n'a pas l'air si effrayée que ça, Emily. Peux-tu me tenir la main une seconde? Ça ne te dérange pas? Je regarde un film. Quoi? Alors, qui a fait une farce à qui? Megan a une douce surprise matinale. Pour moi? Bien sûr, ma chérie. Des crêpes et du jus d'orange pour les vitamines. Merci, maman. Tu es la meilleure. Pendant ce temps, Emily ne se réveille pas vraiment avec l'odeur du petit déjeuner au lit. Oh! Lève-toi et aide-moi à nettoyer. Mais il est si tôt! Tout doit être nettoyé. C'est de la mauvaise que tu as là, Gina. Megan et sa mère ont regardé un film ensemble, mais il se fait tard. Ma chérie, laisse-moi m'occuper de toi. Les jambes en l'air. Notre couverture la plus chaude. Et mon bébé peut dormir maintenant. Faites beau rêve. Emily et sa maman s'endorment aussi. Oh, elle dort. C'est parfait. Je l'utiliserai moi-même. Chut. Voilà, ma chérie. Oh, attends. N'oublie pas ton déjeuner. Oh, waouh. Ça a l'air délicieux. Et ton écharpe chaude. Et ton bonnet le plus chaud. D'accord, d'accord. Merci, maman. Au revoir, ma douce citrouille.
Hé, hey, maman, je suis affamée. Oh, voilà pour toi. Deux tranches? Quoi? Fais-en une toi-même si tu en veux. Tu n'es pas une grande cuisinière, n'est-ce pas, Gina? J'adore rentrer chez moi et retrouver ma maison propre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne maman s'est transformée en mauvaise maman. Cette femme n'a aucun sens de la mode. Sérieusement. Oui. Hé, hey, maman! Hé, hey, toi, donne-moi ça! Qu'est-ce que c'est? Va dans ta chambre. Tous les snacks sont pour moi. Qu'est-ce que ces losers regardent? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout est en désordre? Je vais tout nettoyer. C'est l'heure de mon... Ah! Hein? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Il y a des déchets partout. Bonne maman à la rescousse du nettoyage. Et la mauvaise maman s'est transformée en bonne maman. Tu fais le ménage? Oui. Tu veux te joindre à moi? Maintenant, on peut se détendre. Qui a nettoyé la chambre? Moins de travail pour moi. Merci. Ah, et elles sont redevenues comme avant. La maman de Megan est très responsable quand il s'agit de faire la vaisselle. Tout doit être nettoyé tout de suite. Et tout doit être rangé au bon endroit. Hein? Comment se fait-il qu'il se remplisse si vite déjà? Ah bon, je crois que je ferais mieux de m'y remettre. Et si tu achetais un lave-vaisselle? Salut la maman d'Emily. Quelqu'un a oublié de faire la vaisselle hier soir? Quoi? Je sais. Jette tout à la poubelle. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Tu pourrais en avoir besoin plus tard, tu sais, pour cuisiner. Le ménage est fait. Tout ce qui te convient, je suppose. Hé, chérie! Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air d'aller. Non, tu as raison. Il n'a pas l'air bien. Que penses-tu de celle-ci? Maman! Oh, celui-là est mignon. Tu prends trop de temps. Je fais la sieste. Tu ne me trouves pas jolie? Maman, c'est toi qui es la plus jolie. Montre-moi d'autres vêtements. Merci, ma chérie. Oh, Gina, c'est une idée de génie. Salut, maman. C'est pas vrai. C'est trop cool! C'est le bleu qui te va le mieux! C'est si joli! Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tatouage? Ouh. Oh non, non! Maman, attends! C'est juste un tatouage temporaire! Tu vois? Dieu merci! Dans ce cas, maman en veut un aussi! Vraiment? Ok, faisons-le. Je pense que c'est prêt. Waouh, c'est si joli.
Et tada! Choisis-en un. Oh, non, 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 j'en veux pas. Allez, c'est ton cadeau d'anniversaire. T'es sûr? Ok, je veux le chien. Bien, allons-y. Oh mon Dieu. Ok, faisons-le. Tu sais quoi? Juste un moment. Ça ne va pas faire mal, ça ne va pas faire mal. Voici ton tatouage. Oh mon Dieu! C'est son nom. Trop mignon! Mon petit poney? Oui, s'il te plaît. Merci! Allons-y. Tu veux? Non. Si. Je veux aller voir mon petit poney. C'est un truc d'enfant, ne pleurniche pas. Allons-y. Oh. Cool. T'en veux? Non? 2 semaines ont passé avant qu'il ne trouve le corps. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a dans la cave? Je vais juste... y aller. Je suppose que personne ne m'a vu. Rien ne peut battre le pouvoir de l'amitié. Je serai ton ami pour toujours et à jamais. Oh mon Dieu, c'est si mignon. Mais où est-ce qu'elle est allée? Je vais lui apprendre comment s'amuser. Oui, ton ami pour toujours. Wow! Toi, c'est toujours de ta faute. On écrit, on écrit. Qu'est-ce que c'est que ça? Des crayons de couleur partout? Ma petite dame, j'attends plus de toi. Bien sûr. Voilà. C'est bien, ma fille. Voici ta récompense. Du chocolat? Merci. On écrit, on écrit. Ouh! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Attends. Hé, je dessinais! Non, on fait quelque chose de mieux maintenant. Regarde. Ça y est! Wouhou! Wow, c'est mon tour! Oui! Génial! Encore un! Wow! Ouch! Oups! Je suis tellement désolée, chérie. Ça va guérir! Un jour. Oh! Charmant! Ennuyeux, ouais. Merci! Bravo, bravissimo! Yay, ça s'est très bien passé! Ouais, peu importe. Allez, ma fille, c'est ton tour. Mais... Ok, j'y vais. Oh! Oh, mon Dieu! C'est pas de la musique, ça! Bon, ça va pas le faire. Attends une seconde, peut-être que le violon n'est pas fait pour toi. Prends ça! Et je vais prendre la guitare. Ok, go! Hé, c'est bon! Ouais, je suppose. Ok, dansons! Yay! Des boissons pour tout le monde! Qu'est-ce qui se passe? On a un peu surchargé les haut-parleurs. Oh là là, ça craint! Tout le monde court! Comment s'est passé le test? Bien. Montre-moi. Allez! Non! D'accord. Oh! Ok, calme-toi, calme-toi. Assieds-toi, chérie. Voyons ce qu'on peut apprendre de tout ça. Stylo?
Donc la formule pour ça, c'est... Parce que je suis un seul type. Salut, maman. C'est quoi ce F-? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est le prof. Ok, on y va. On y va. Oh non, je crois que... C'est bon. Oh, alors ce sont les notes. Wow, c'est pas bon. On va les améliorer un peu. A plus sur toute la ligne. Merci. Attends, encore une chose. J'ai toujours voulu faire ça. Courons! Quoi de neuf, les Kaboomers? N'était-ce pas super amusant? Que pensez-vous de notre vidéo? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire toutes vos histoires incroyables. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner à Kaboom Energy pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci. En attendant, profitez de notre brillante sélection de bêtisiers que nous aimons considérer comme notre cerise sur le gâteau.